La petite poule rouge. Une petite poule rouge grattait dans la cour quand elle déterra un grain. Un beau grain de blé tout craquant. Qui va m'aider à planter cette graine? Dit-elle. Pas moi, répondit le canard. Je dois aller nager dans la mare. Ni moi, répondit l'oie. Il faut que je m'occupe de mes petits. La petite poule rouge demanda au chat. Veux-tu m'aider à planter cette graine? Non, non, pas moi, répondit le chat. Je n'ai pas le temps. Je dois chasser les souris. La petite poule rouge alla trouver le dindon. Veux-tu m'aider à planter cette graine? Non, non, pas moi, répondit le dindon. Il fait trop chaud. Je préfère rester à l'ombre. La petite poule rouge prit une grande pelle et son chapeau de paille et s'en alla au jardin. Puisque c'est comme ça, se dit-elle, je vais la semer toute seule. Et c'est ce qu'elle fit. La grande graine poussa très vite. Et bientôt, une belle tige bien droite sortit de terre. Il était temps de l'arroser. La petite poule rouge demanda, qui veut m'aider à arroser l'épi de blé? Pas moi, répondit le canard. Pas moi, répondit l'oie. Pas moi, répondit le chat. Pas moi, répondit le dindon. La petite poule rouge attrapa un grand arrosoir et le remplit d'une eau bien fraîche. Puisque c'est comme ça, se dit-elle, je vais l'arroser toute seule. Et c'est ce qu'elle fit. Le soleil chauffait très fort et les grains de blé furent bientôt mûrs. Qui veut m'aider à les cueillir? Demanda la petite poule rouge. Pas moi, dit le canard. Pas moi, dit l'oie. Pas moi, dit le chat. Pas moi, dit le dindon. Alors, je les cueillerai toute seule, répondit-elle. Et c'est ce qu'elle fit. La petite poule rouge mit les grains de blé dans une brouette et les porta au moulin. Le meunier moulut les grains qui se transformèrent en une belle farine toute blanche et fine. Quand elle rentra à la maison, la petite poule rouge demanda « Qui veut m'aider à faire la pâte ?»« Pas moi, dit le canard. Pas moi, dit l'oie. Pas moi, dit le chat. Pas moi, dit le dindon. Alors, je la ferai toute seule, dit la petite poule rouge. Et c'est ce qu'elle fit. Bientôt, la pâte fut prête à mettre au four. Qui veut m'aider à la faire cuire? Demanda la petite poule rouge. Pas moi, dit le canard. Pas moi, dit l'oie. Pas moi, dit le chat. Pas moi, dit le dindon. Alors, j'enfournerai toute seule, dit la petite poule rouge. Et c'est ce qu'elle fit. Une fois la pâte cuite à point, la petite poule rouge mit la belle brioche dorée à refroidir sur le bord de la fenêtre. Et maintenant, demanda la petite poule rouge, qui veut m'aider à manger cette brioche? Moi, moi, j'en veux, cria le canard. Moi, moi, j'en veux, cria l'oie. Moi, j'en veux, cria le chat. Moi, j'en veux, cria le dindon. Et non, pas vous, je vais la manger toute seule, répondit la petite poule rouge. Et c'est ce qu'elle fit.